Bonjour à la population de Gagnoua. Ok, ici c'est chez moi. Mais regardez Gagnoua aujourd'hui. Regardez comment Gagnoua est. Quand on parle de Gagnoua, c'est ici. Tous les pays connaissent Gagnoua. Même les Français connaissent Gagnoua. Mais regardez la vie. Regardez la voie principale de Gagnoua. Regardez comment Gagnoua est. On dirait qu'il n'y a même pas de maire. On dirait qu'il n'y a même pas de député. On dirait qu'il n'y a pas de gars ici. Regardez la vie de Gagnoua. Donc j'appelle ici tous les autorités. Toutes les autorités de réagir à cette voie-là. Viens. Regardez la voie, vous me regardez. Voiture ne peut même pas passer. Voiture ne peut même pas passer. Voiture a du mal à passer, franchement. Regardez la voie. Quand tu arrives aujourd'hui en France, on attend Gagnoua, la ville des stars, la ville de Troba Didier, la ville de Kadé Keïta, c'est ici. Mais regardez Gagnoua aujourd'hui. Regardez les vécu. Ils ont du mal à passer. Regardez un peu. Quand j'appelle ici les autorités, j'appelle ici le maire de jouer son rôle. Si je pense bien qu'il y a un ici à Gagnoua, là, c'est grâce à la population. Je pense que s'il y a les cadres ici, c'est grâce à la population. Parce que c'est nous, on a voté. C'est grâce à nous, là, aujourd'hui, vous êtes là. Donc s'il y a un problème, on doit intervenir. S'il y a un problème qui ne va pas, on doit parler. Ne dis pas que tout ne va pas. Gagnoua est gâté, la route est gâtée, franchement. Il n'y a pas de route, il n'y a même pas de voie. Donc, ayez pitié pour la population. Ayez pitié pour la population, regardez. Regarde un peu. Il n'y a pas de voie. Il n'y a même pas de route. Regardez, il n'y a pas de route. Regardez ma chaussure. Allez, pitié, partagez la vidéo, J'appelle ici le président de la République qui réagit vraiment d'avoir pitié de la ville de Gagnoua. Gagnoua est très sale, c'est très vilain, il n'y a pas de voie. Il n'y a même pas de route, il n'y a pas de goudron. Depuis autant où est ton CPR, surtout aujourd'hui, rien n'a changé franchement. Il n'y a pas de changement de la ville de Gagnoua. La ville de Gagnoua fait pitié. La ville de Gagnoua fait pitié. La ville de Gagnoua fait pitié. Il n'y a pas de voie. Il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de voie. Aujourd'hui, s'il y a un malade, on veut l'avoir à l'hôpital, on fait comment? S'il y a un malade, on veut l'avoir à l'hôpital, on fait comment? Mais le temps que tu vas prendre le malade pour l'envoyer à l'hôpital, il est déjà mort. Le temps que tu vas prendre le malade pour l'envoyer à l'hôpital, il est déjà mort parce qu'il n'y a pas de voie. Quand il pleut, Gagnoua est gâté. Quand il pleut, Gagnoua est gâté. Regarde. On dirait qu'il n'y a pas de cadre. On dirait qu'il n'y a même pas de cadre. Il n'y a pas de député. On dirait qu'il n'y a pas de maire. On est dans une ville, on dirait nos brousses. On est dans une ville, on dirait nos champs. On est dans une ville, on dirait nos villages. On dirait c'est une ville. C'est pas un village. C'est une ville, c'est pas un village. Mais regardez comment on souffre. Regardez comment Gagnoua souffre aujourd'hui. Regardez comment Gagnoua souffre. On souffre, on est dans la souffrance. Quand il pleut, on ne peut pas sortir. Regardez comment la voie continue. Viens. Regarde, aujourd'hui, quand tu arrives à Divo, quand tu montes les pieds aujourd'hui à Divo, la ville de Divo, c'est comme Abidjan. La ville de Divo, c'est comme Abidjan. C'est joli. Il y a les grandes voies. Mais qui a Gagnoua, c'est des désordres. Il n'y a pas de voie. Il n'y a même pas de goudron. Ayez pitié pour la ville de Gagnoua. Ayez pitié pour la ville de Gagnoua. Et quand on parle, on dit que c'est politique. Je ne fais pas la politique. Écoutez-moi bien. Je ne fais pas la politique. Mon père n'a jamais été politicien. Ma mère n'a jamais été politicien. Mais je suis l'enfant du village. Je suis l'enfant de ce pays. Donc j'ai le droit de parler. Regardez un peu. On dirait le champ. On dirait le village. On dirait le village. Regardez le pouce. Regardez comment Gagnoua fait pitié. On dirait le village. On dirait le pouce. Une voie principale. Une voie principale qui n'est pas goudronnée. Et puis ils sont assis, ils ne disent rien. Et puis on dit tout va, tout ne va pas, rien ne va du tout. Regardez. Les vêtements ont du mal à passer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, partagez la vidéo. On est ensemble.